Et ça, pour moi, ça a été un de mes grands pièges. Parce que quand on est attaché ou addict à ce génie créatif-là, on est un assoiffé. Puis à partir de ce moment-là, pas longtemps après, on tombe un essoufflé. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas changer d'idée. Il y en a beaucoup qui sont attachés à leurs idées. Il y en a beaucoup qu'ils veulent changer d'idée, mais ils ne veulent pas faire face au jugement quand ils changent d'idée. Ils ne veulent pas faire face à quelqu'un qui dit « t'es encore en train de changer, qu'est-ce qui est en train de se passer? » Moi, je marche toujours vers la... Y a-t-il quelqu'un qui peut compléter ma phrase par curiosité? On a-tu du monde que... La libération, oui, entre autres, ça c'est vrai. Mais la vérité, ma vérité, ouais, ça commence par C. Ouais, Chantal, génial, Chantal. Je marche toujours vers ma cohérence. C'est un must, la gang, ça. De marcher vers notre cohérence. Notre cohérence, ça veut dire on est en phase avec la vie qui... Imagine, ça, c'est la vie. Puis ça, c'est la vie que tu vis. Et idéalement, on veut pas que ça fasse ça. Idéalement, on veut que ça fasse ça. Et le moment qu'on est en cohérence, donc c'est un signal cohérent, le moment qu'on est en signal cohérent, c'est l'abondance. C'est assurément l'abondance. Ça ne peut pas être autrement. C'est impossible que ça soit autrement. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Quelqu'un est capable de m'écrire pour me dire pourquoi c'est impossible? Parce que c'est une question d'énergie. À la base de tout ça, hey, la gang, on a vu dans Reset ou dans d'autres programmes que tout est fréquence, vibration, énergie. C'est pas vrai qu'on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, du changement de carrière, de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis là, c'est pas énergie. Non, c'est exactement la même affaire. Moi, j'ai pas François l'entrepreneur et François le personnel. Moi, il n'y en a pas ça. Ça n'existe pas. Moi, il y a François. Il n'y a pas deux. Donc, ça, c'est une question peut-être à se poser. Est-ce qu'il y a deux? Hein? Est-ce qu'il y a Giuseppe entrepreneur et Giuseppe personnel? Est-ce qu'il y a Sophie qui sa carrière et Sophie la personnelle? Est-ce qu'il y a Stéphanie Turcotte sa carrière et Stéphanie la personnelle? Est-ce que Sarah sa carrière? Non. Non. Et ce blueprint-là, hein, cette extension-là, c'est pour ça que les gens vont payer. Donc, en fait, ils vont payer avec de l'argent, ce qu'on appelle de l'argent, qu'on doit enlever à la place de Dieu. On doit peut-être remettre Dieu ou la lumière à la place de l'argent et tasser l'argent. On va se rendre compte que le jour qu'on va enlever Dieu à la place de la lumière, probablement qu'on va avoir moins de problèmes financiers. Mais de comprendre que le blueprint, donc l'extension de qui tu es, c'est pour ça que les gens vont payer. Alors imagine si tu n'es pas en cohérence avec ta vérité. Tu vas attirer des gens qui ne sont pas en cohérence avec leur vérité. Et les gens qui ne sont pas en cohérence avec leur vérité, tu vas les attirer, mais ils ne seront pas branchés, ils ne passeront pas à l'action dans ce qu'ils veulent vraiment. Donc c'est dans ma tête, comment ça fonctionne? Oui, le site Internet est important. Oui, ton message est important. Oui, de vouloir contribuer, c'est important. Oui, le sens dans lequel tu t'en vas, c'est important. Oui, la libération, c'est important. Dans ma tête, c'est super simple. Moi, c'est comme ça, ça se passe. Mais en fait, c'est sur l'autre sens pour moi. Moi, c'est comme ça, ça se passe, tout le temps. À quoi ressemble mon signal présentement? Est-ce que c'est un signal de cohérence? C'est tout. Est-ce que je suis dans l'eau, exemple? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous autres, dans l'eau. J'ai rien pour l'expliquer ici. Tu sais, là, quand tu es dans une piscine ou à la mer, là, avec, tu sais, une mini planche, là, de surf, là. Puis, tu sais, avez-vous déjà fait ça, vous autres? C'est juste moi qui fais ça, ces niaiseries-là. OK, vous avez déjà fait ça. Et imagine, vous faites ça comme ça. Ça devient le bordel dans la piscine. Mais si vous faites, un signal et vous le laissez aller, un autre signal après, vous le laissez aller, ça va être beaucoup plus la cohérence, tout ça. Alors, c'est ça qu'on veut arriver à faire. On veut que nous, la cohérence, ça veut dire je suis... Qu'est-ce que ça veut dire la cohérence? C'est important. Des fois, des choses sont claires dans ma tête qui ne sont pas claires dans mes enseignements. Mais... La cohérence, c'est être en phase avec la vie en moi. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire je suis en colère, je suis en colère. Ça veut dire je suis en train d'innover, je suis en train d'innover. Ça veut dire je suis créatif, je suis créatif. Ça veut dire que je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me régénérer. Ça veut dire que j'ai besoin de connexion, je réponds à ce besoin de connexion-là. Ça veut dire que j'ai besoin de contribuer, j'ai besoin de contribuer. Mais il faut que je reste vigilant aux besoins de la vie en moi, pas à mon désir ou mon addiction de contribution, pas au désir ou mon addiction de ma pensée créatrice. Y en a-tu qui ont
qui sont des génies là, dans leur tête de temps en temps. Il y en a-tu qui ont ça? On doit en avoir un, deux, trois, quatre, cinq. Gars, génial. Il y en a-tu qui sont, de temps en temps, ça prend de l'humilité, là? Ben, peu importe, on n'est pas obligé de dire... Peut-être qu'ils ne vous l'aient pas. Attaché ou addict à vos génies, à votre génie créatif. OK? Et ça, pour moi, ça a été un de mes grands pièges. Parce que quand on est attaché ou addict à ce génie créatif-là, on est un assoiffé. Puis à partir de ce moment-là, pas longtemps après, on tombe un essoufflé. Donc, je vois mon ami Vince, qu'on connecte avec le cœur, on connecte avec des beaux projets, on connecte, je le vois, il est amour, il est joie, il est contribution, il fait les choses pour les bonnes raisons. De temps en temps, tombe dans une énergie d'assoiffé parce que si, il en mange, c'est parfait. Mais l'énergie d'assoiffé, elle est associée à l'énergie d'essoufflé quelques jours plus tard, quelques semaines, quelques mois plus tard, assurément. Mais avant, le corps a de montrer des symptômes. Et c'est là qu'on doit apprendre à lire et de revenir en cohérence avec la vie en soi et pas l'attachement à nos idées de génie. Parce que l'attachement à nos idées de génie, la gang, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais moi, je lançais Process à toute ma grande communauté. Là. Parce que vous n'avez pas idée, je pourrais faire 1 million. Là. Je pourrais faire, il y aurait plein d'argent, je pourrais faire. Hein, oui, il va se passer quoi? Déphasé de la vie, en course par rapport à tout ça. Il faut que je produise, ça n'a pas de bon sens. L'argent est là. C'est pas l'argent. Le signe de réussite, c'est pas l'argent. Le signe de réussite, c'est quoi le signe de réussite? C'est quoi le vrai signe de réussite? Quelqu'un peut me l'écrire pour voir? C'est quoi la réussite? La joie, OK, good, génial. L'abondance partout, ouais, ça peut, ouais. C'est vous êtes en train de me montrer votre définition. Hein? Là, on a l'épanouissement, l'alignement en phase, ça, c'est bon aussi. En paix, la cohérence, contribuer. Moi, pour moi, et tout ça, c'est bon aussi, mais c'est en paix. J'ai pas d'étoiles dans les yeux et c'est OK. Je suis en cohérence. Hein? Oh, c'est dur à comprendre, ça. J'ai pas d'étoiles dans les yeux et c'est OK. Donc, je suis en cohérence avec la vie. Hein? C'est-à-dire que je suis en train de mourir dans une version de moi-même. Et pour pouvoir devenir cet entrepreneur-là, ce formateur-là, ce conférencier-là, peu importe qu'est-ce que vous voulez faire, vous avez absolument besoin de mourir dans une... Dans la version actuelle de vous, là, ne peut pas atteindre ce que vous voulez atteindre. Impossible. C'est impossible. Moi, la vision que j'ai de process, il faut que je meure plusieurs fois pour l'emmener. Là, je suis en train de mourir. Là, depuis, exemple, le premier masterclass de Master Business, au début, quand on l'a appelé comme ça, je suis mouru plusieurs fois là, pour devenir de plus en plus aligné. Et la seule chose que je cherche, c'est à lire ce qui est là, cette guidance qui est là, qui m'allume, qui me dit « Ta gueule, François Lemay, couche-toi, François Lemay. Ah, oh, tu vois ton stimuli qui est là, qui voudrait que… Oh, reviens ici, addiction. Observe-toi, cherche à me libérer. » Mais même si je suis dans le brouillard, je suis dans ma cohérence de ma vie. Et c'est ça, incarner la pleine conscience. C'est pas de brouillard, c'est pas si je vois pas clair, c'est pas… C'est accueillir cette phase-là parce qu'en comprenant que cela aussi changera. Ça, c'est être en phase avec la vie. Tout est déjà là en toi. Il ne manque rien.